très bien. Voilà. Serre les dents. Toujours, seulement, tu penses. Ça avance. T'as compris? Oui. Mais caporal, content d'être à la Légion? Oui, moi, Légion. Chaque matin, une vingtaine d'hommes arrivent du monde entier avec leurs baluchons à Aubagne, au centre de sélection de la Légion étrangère. Ces deux-là viennent de Chine. L'an dernier, 130 nationalités sont passées ici. C'est pour un minimum de 5 années qu'ils vont s'engager, s'ils sont pris. Est-ce que vous regardez? Ça a l'air... Pour de l'argent. Et il faut combien de temps pour gagner ça en Chine? Ça, en an. 1000 euros en un an? Oui, en an. T'as quel âge toi? 20 ans. T'as 20 ans? Ok. Il a 20 ans et arrive de Madagascar, où toute sa famille s'est cotisée pour lui payer l'avion jusqu'en France. Tu étais venu exprès pour t'engager? Oui, c'est ça. Ah, ok. Et c'est important pour toi? Oui. Pièce d'identité, identité, passeport. D'accord. Où ça? Il va où là? On va dire qu'il va déserter avant de commencer là? Ah. Des fois, ils se présentent, même pas de pièce d'identité, rien et tout. Des fois, ils se pointent, ils sont là. Ils expliquent British, non. Bonjour. Pièce d'identité. La Légion garantit la discrétion à ceux qu'ils souhaitent. Cet Allemand a 29 ans. Il a décidé de commencer une autre vie et il ne veut pas que son visage soit reconnu. Là, tu n'aimes. Now, Kruger, France. OK? De toute façon, pour devenir légionnaire, il faut d'abord changer d'identité. Si je suis là, c'est pour refaire ma vie. Mais avoir un nouveau nom, c'est quand même surprenant. Très surprenant. Mais bon, je vais devoir vivre avec. Dans l'heure qui suit, les prétendants abandonnent tout ce qu'ils ont apporté, tout leur passé. Il faut fermer la veste. Pour être pris, l'âge limite est de 40 ans. Girard est parisien, le caporal de l'entrée vient de lui donner ce nom et a décidé qu'il serait canadien. Car pour intégrer la Légion étrangère, il faut être étranger. Moi j'ai 39 ans et 10 mois. Vous êtes juste à la limite de... Exactement. Et là j'ai peur de ne pas être pris à cause de ça. Bien, vous venez d'arriver ici au centre de sélection et d'incorporation. Ici, vous allez passer 15 jours. Traducteur. Przyjechaliście do centrum selekcji incorporacji Legii Cudzoziemskiej, zostaniecie tutaj na testy 15 dni. 你们来到这边招兵站，通过你们所有的考试。 Pendant ces 15 jours, vous allez passer des tests psychotechniques, tests médicaux, tests sportifs. 15 jours ici, il n'y a pas de téléphone, on n'écrit pas, on ne sort pas. Ceux qu'on choisit ici et croyait arriver dans le couvent des Ursulines, ils se sont plantés. Donc dès le départ, si ça ne vous convient pas, vous pouvez passer à l'issue de la présentation, dire « moi, ce n'est pas bon pour moi » et retour à la maison. Bon là, vous êtes là, vous allez faire test psychotechnique pour savoir qu'est-ce que vous avez dans la tête. Pour enfoncer un clou avec un marteau, quelle est la meilleure solution? A, B, C ou D? Voilà, bonne réponse, D. Entrer à la Légion n'est pas chose facile, même si les questions semblent simplettes. Stop. Il y a entre 7 et 8 000 candidats chaque année. M, R, à l'issue des sélections, 1 sur 8 sera retenu. Beriesh, cocaïne, héroïne, hashish. Étonnamment, il n'y a qu'une épreuve sportive. Ils ont 12 minutes pour parcourir une distance minimum, mais ils ne savent pas laquelle. Action là. Tous ceux qui n'y parviendront pas seront immédiatement renvoyés chez eux. 10, il est magnifique. Hein. Ah oui. Hop. Ensuite, on passe à des choses plus sérieuses. Un officier, le lieutenant Snéperger, va peser les motivations des candidats.
ils ont intérêt à se vendre parce qu'ils sont conscients, durant leur présence ici au centre, quand ils sont rassemblés entre 100 et 150 tous les matins, et qui, quand ils voient qu'à la fin de semaine, il y a 20 ou 25 candidats qui rejoignent les 4e régiment étranger pour l'instruction, ils sont tout à fait conscients qu'il faut qu'ils fassent des meilleurs d'eux-mêmes pour être retenus. Maintenant, est-ce qu'ils cachent quelque chose? Certains, oui, certainement. Riniao, présent, mon lieutenant. Allez, entre. Tu fermes la porte. Assieds-toi. Ça va? Oui, mon lieutenant. Bon, Riniao, Victor, Malagache, 20 ans, c'est ça? Oui, mon lieutenant. Bien. Quelles sont tes relations avec tes parents? Avec ton père et ta mère? Tu t'entends bien avec eux? Oui, mon lieutenant. C'est plutôt conflictuel, pas de problème? Oui, mon lieutenant. Est-ce qu'ils savent que tu es venu, que tu es engagé à la Légion étrangère? Oui, mon lieutenant. Tous les deux? Oui, mon lieutenant. Bien. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ton c'est père, moi... qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu lui as dit, je pars en France, je m'engage à la Légion. Oui, et il dit, va mon fils, tu es un homme fait. Il n'avait pas peur pour toi, à 20 ans? Non, mon lieutenant. Non? Bon. Oui, mon... T'as vu le nombre de garçons qui sont avec toi ici? Oui, mon lieutenant. Pourquoi je devrais choisir toi? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Je t'écoute. Tu m'as choisi parce que... Parce que? Je suis un étranger. Oui, mais ils sont tous étrangers, moi y compris. Hein? Mais pour moi, je sais. Mais pourquoi tu es venu? C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui t'attire? Pour moi, j'aime la Légion. Oui, mais eux aussi, ils aiment la Légion. 80% des candidats qui viennent ici, c'est soit c'est des raisons économiques, soit c'est la carte de séjour, les passeports français, les Sud-5 ans, etc. Donc, on a des choix dans cette population. Moi, plusieurs reprises ici, peut-être une quinzaine de fois, je me suis entendu dire par des sous-officiers, qu'est-ce que tu fous là, on n'a pas besoin de toi, regarde l'âge qu'ils ont. Tu n'as pas ta place ici, retourne chez toi. Ça te démotive ? Pas du tout. La Légion, c'est l'aventure, c'est pas la célébrité, c'est dans l'anonymat. Simon, avant que la Légion lui donne ce nom, portait celui d'une vieille famille française. Ah là là. Tu gardes la morale, toi ? Ah oui, moi j'ai le moral, je suis confiant, je suis venu pour être reçu, de toute façon, je suis pas un loser. Simon ! Présent, mon lieutenant. Rentre. Simon est l'aîné des 10 enfants d'une famille d'aristocrates. Il a 22 ans et depuis quelques heures, il est de nationalité suisse. Ça va, Simon? Ça va, mon gars. T'as l'air inquiet? Un peu, je sais pas. Pas trop, mon lieutenant, ça va. C'est en 2000 que j'ai arrêté l'école. Ah, en 2000, t'as arrêté l'école, d'accord. Jusqu'en 2002, après, j'ai été dans un monastère. Je fais un essai de vie religieuse. Ah, où ça? Alors, c'est près de Narbonne, c'est le monastère de Gossan. Oui, je connais. Et comment tu as décidé pour mener la vie monastique? Pour quelle raison? Je me sentais appelé, étant catholique pratiquant, bon, voilà, je me suis senti appelé, je me suis dit, bon, il faut essayer pour pas avoir de regrets. Donc j'ai essayé. Mm-hmm. C'était pas ma vocation, mais j'ai essayé. Et tu es resté 2 ans là-bas? Oui, parce que je voulais être sûr, donc j'ai resté 2 ans pour connaître à fond, c'est bon, c'était pas mon temps. Et tu peux quitter les monastères à ta convenance tant qu'on n'a pas fait de vœux. Parce qu'au bout de, au bout de 2 ans, on fait des vœux pour 3 ans, mm-hmm. et après des vœux pour la vie. D'accord. Donc, et là, tu es obligé de rester, tu peux plus... Sauf si... c'est compliqué de partir après. C'est compliqué de partir. Ah oui, après, il faut que ça remonte jusqu'à Rome. Donc c'est comme à la Légion, tu vas signer un contrat et tu ne pourras plus partir. Exactement. On t'enferme dans une chambre et puis tu... Tout à fait. Mais c'est pas comme ça. Non, okay. Mais il y a quelques similitudes. Dans un autre bureau, un Jordanien est interrogé par un spécialiste de la sécurité. La Légion ne veut pas se laisser infiltrer par des groupes terroristes. Comment tu t'appelles? Morelli Faris. Si tu es engagé à la Légion, je veux savoir sur toi plus que ta mère et ton père ensemble. Ok? Bon. Est-ce que tu as fait études supérieures? Oui, après, quand j'allais en Égypte, je continue l'université de l'école Bilotage. Tu as fait l'université? Donc, combien d'années tu as fait? 4 ans. Ouais. Donc on peut dire que tu as fait bac plus 4, c'est ouais, ça? Ouais. Donc bac plus 4. Ça, c'est l'université de Bilotage. L'université de Bilotage.
Pilotage. Pilote. Ouais, pilote. Okay. Pilote d'avion. Pilote d'avion. Avion civil ou avion civil. Ouais, avion civil. Tu as fait où, en quel pays? En Égypte. En Égypte, ouais. Ok. Et tu as fait le simulateur aussi à Airbus aussi? Ouais, des fois j'ai fait. Aussi, avec l'ordinateur, j'ai fait le... Tu as fait quelques fois un roulé-boulet, hein, non? Comme ça, un simulateur, tu peux. Hein? Ouais, ouais, comme ça, ça casse pas. Hein? Ouais, ouais, c'est, tu peux faire tout, mais c'est un simulateur, c'est ça. Ouais, ouais, mais quand même. Gardez-vous! Dès le premier soir, ils découvrent qu'il va leur falloir rentrer dans le rang, dans le moule. C'est bon. Donc, extension de feu, vous pouvez garder la petite lumière allumée dans la salle de bain, mais personne qui m'allume les lumières, hein, et ne traînez pas. Au lit, c'est au lit, c'est bien clair. Oui, Gabon, oui, chef. C'est bon. Au lit, bonne nuit. Bonne nuit, Gabon, chef. Il y a une dizaine de jours, ils étaient 150. Beaucoup ont déjà abandonné, il en reste une soixantaine. Aujourd'hui, la commission de sélection va choisir ceux qui vont pouvoir continuer. Vous avez tous vos éléments, on attaque par le premier. Il obtient le bac en 2000, ensuite il rentre dans les ordres. Il rentre dans les ordres, il devient moine. Mais il ne va pas jusqu'à prononcer les vœux, il quitte le monastère en 2002. De plus, c'est un petit-fils d'ancien capitaine qui a servi en Indochine en premier rang et qui est attiré par l'aspect et prestige de la Légion étrangère. Il a un potentiel physique très élevé. J'ai mis une note très élevée, donc 14 seulement. D'accord, il a effectivement un bon potentiel et je le prends en espérant qu'il s'adaptera. On continue. Candidat jordanien. Il se déclare pilote d'avion. Bon, en France, il a surtout exercé dans le bâtiment comme carreleur et peintre. Bon, ses déclarations sur son brevet de pilote ne collent pas. Bon, c'est un mythomane, c'est un menteur. Je pense qu'on peut éviter. Bon, je ne mets pas une note éliminatoire, mais vraiment petit profil, 7. J'ai un doute sur deux choses. D'abord sur la réalité de son personnage et ensuite sur la capacité d'intégration compte tenu de son âge. Je ne le prendrai donc pas. Le général commandant Légion étrangère a retenu parmi vous les 30 candidats possédant toutes les aptitudes requises pour servir la Légion étrangère. Vous serez dirigé à Castelnaudary, au 4e régiment étranger, pour entamer une instruction de 4 mois. Engagé volontaire d'Olnik. Engagé volontaire Baris. Engagé volontaire Girard. Engagé volontaire Simon. Présent, mon lieutenant. L'engagé volontaire Missani. Présent, mon lieutenant. Présent, mon lieutenant. Tu es francophone, Missani? Oui, mon lieutenant. Donc, c'est coup toi. Mais je vais te réveiller, moi. L'engagé volontaire Thévenant. Présent, mon lieutenant. Caporal Xu, tu prends en compte les candidats non retenus et tu les accompagnes au magasin. Même s'ils ne parlent pas le français, ceux qui n'ont pas été appelés ont compris. On ne veut pas d'eux. C'est la dernière chance que vous pouvez lever les mains, caporal chef. Je souhaite retourner à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Vous récupérez votre papier et vous allez partir comme n'importe quel candidat. Vous êtes sûr? Oui ou non? Oui! Oui. Moi, ceux qui n'ont pas été retenus retrouvent tout de suite leurs affaires civiles. Je me sens triste. Ils sont 30 à avoir franchi la première étape. 30 qui ont une chance sérieuse maintenant de devenir légionnaire. Noda est japonais. Ok, très bien. Bon, pantalon, on change. Lui n'a pas fait ce voyage pour des raisons économiques. Il veut devenir un guerrier. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais migrer en plus de Castelnaudary. Ah, c'est bon, très bien.
C'est juste le commencement. Moi, je viens d'Osaka, au Japon. Il faut couper assez vite, mais c'est pas la peine d'arracher les scalps des mecs. Tu fais attention aussi, est-ce qu'il n'y a pas des blessures, les, je sais pas quoi là, ne pas infecter. Treillis et tondeuses, il suffit de quelques minutes pour les transformer en militaires. Il leur faudra bien plus de 3 mois pour devenir légionnaires. Vous réveillez maintenant, c'est fini les vacances. Je vous rappelle, messieurs, qu'on vous êtes toujours à la Légion étrangère. Hein, et vous étiez volontaire pour venir ici. Hein, donc vous allez me respecter cette règle. Et correctement. Et ça, c'est quoi ça? Comment tu es pour ceinture? Pourquoi ça flotte? Serre-moi ça là. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi là? Pourquoi tu es à droite là? Et mets ton garde-vous comme moi. J'ai montré, non? Combien de fois je vais montrer? Regarde mes doigts et regarde les tiens. Les pieds 10 sur 10. Je n'ai pas montré les ceintures là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et arrange-moi ça là. Et ça, c'est quoi ça? Tu t'es pas rasé toi, hein? Pourquoi t'es pas rasé? Pourquoi t'es pas rasé toi? Et hop, rasage, dans la foulée. 2, 4, 6, 8, 10. Les autres, l'autre wagon avec le caporal, en avant. Allez, vous, par colonne, déboîtez derrière moi, en avant. Leur 12e jour, ils vont rejoindre Castelnaudary, le centre de formation. Madame Monsieur, bonjour, bienvenue dans le train 4750. Ils ne sont pas très rassurés, ils ont appris la réputation des premières semaines là-bas. On nous a dit, surtout aux francophones, que ça allait être dur moralement. Donc physiquement c'était dur, mais que moralement ça pouvait être très dur, donc il fallait qu'on reste soudés. Mais bon, c'est vrai qu'il est sûr qu'on en voit toutes les semaines, il y en a qui revenaient à Aubagne, qui abandonnaient. Donc on sait que ça va être dur parce qu'on a très peu de sommeil pendant les classes. Pendant des semaines, ils vont être isolés, sans téléphone, sans courrier. Ils ne doivent avoir qu'une préoccupation, s'endurcir. C'est dans une ferme qu'ils vont changer de peau. Une ancienne exploitation agricole transformée en casernement de campagne. L'homme qui doit en faire des soldats est le sergent Schwartz, 29 ans, dont 6 de Légion. Vous avez exactement 10 secondes pour être assemblés derrière la tour là-haut. Top, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, c'est qui la dernière là-bas? 1, 0, c'est trop long! Rassemblement en bas! Rassemblement en bas! Réveillez, sergent. Alignez-vous, alignez-vous, regardez à droite. À droite, ça, hein? C'est basse. Toi, regarde ici, alignez. Toi, c'est aligné, toi, c'est aligné. Alignez-vous. Quand on vous dit de bouger vos culs, vous bougez vos culs. Hein? Parce qu'il y a les camarades qui sont prêts déjà, hein, ils sont en train de pomper pour vous attendre. Alors maintenant, on n'est plus à la maison. Quand on fait un truc, c'est vite fait. C'est pas la peine de se branler le mammouth. C'est le premier jour. On vous laisse une chance. C'est que demain, ça se passe bien. Si demain, ça se passe pas bien, on va changer de méthode. Est-ce que c'est compris? Oui, sergent. Est-ce que c'est clair? Oui, camarade. C'est parti. Ça marche. En avant, en avant. Tout doit se faire vite, vite et bien.
Et demain, si c'est pas organisé, si c'est encore long, ben, on raccourcira tous les temps de rassemblement et on mettra un peu de pression pendant certains jours. Quoi. Allez, dépêchez-vous, pompe. Allez, en position. Avant. Les pompes pour muscler les bras et mettre la pression. Faut essayer de prendre le pli. Ça vise aussi à nous uniformiser pour qu'on se forme vraiment un corps. Et ça évite aussi que de diversifier, entre autres parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas francophones, je pense, donc qui ciblent bien les ordres, qui sachent bien quoi répondre dès le début. Dans mon quadrinum, j'ai donc un japonais qui parle anglais, qui enseigne aux japonais qui ne parlent que japonais, et un Sri Lankais qui parle anglais et japonais. Donc si il n'a pas compris en anglais, il comprendra avec la version japonaise. Donc c'est un peu... chantez trop vite, c'est comme le boudin, vous chantez trop vite, d'accord? Tiens, voilà, du boudin, voilà. Non. Tiens, voilà, du boudin, ça vous donne le temps où vous posez le pied gauche. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, sergent! Ça m'étonnerait, mais on va voir. Pour les trois premiers. Oh! Oh, la brume, la rocaille. 3 4 Dans la brume, la rocaille, les chauvettes du combat, tout est pour la France. Pas déjà. En position. En bas. En haut. Les autres aussi. En position. On va chanter toute la nuit, comme ça vous allez comprendre, bande de Mongols. En bas. Tout le monde en bas. Ne me cassez pas les couilles. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En bas. Vous voulez pas chanter? Si! J'entends rien! Si! Chanter! En haut! En bas! En haut! En bas! S'il faut avoir des bonnes choses en faisant un peu de sport avant, y a pas de problème. Moi je suis là. Hein. J'aime ça en plus. Mais c'est con d'en venir là quoi. Et si vous faites bien les choses, plus vite c'est fait et bien, et plus vite c'est dodo. Le section, réveillez. Réveillez-vous. Allez, réveillez tout le monde. Réveil à 5 heures. Certains éprouvent quelques difficultés. J'ai passé une meilleure nuit. La vitre est très humide là. Ça vous fait. Demain, je vais mettre la veste posée sur le matelas. Leur 20e jour. Ah,
Ils sont évalués chaque semaine. Ils sont notés et leur classement final permettra aux meilleurs de choisir leur affectation. Le rêve de Noda, c'est le 2e régiment parachutiste de Calvi, le plus prestigieux, le plus difficile. Abrahim et Kabil, venus d'Algérie. Lui se destinait à une toute autre carrière. J'ai un diplôme d'architecte en Algérie et puis je suis venu en France, j'ai fait une équivalence, j'ai fait diplôme deuxième cycle et je l'ai eu. Normalement, je suis en troisième cycle pour continuer. Et puis c'est à mon tour de me sacrifier pour ma famille, ma mère, mes frères. Après la marche qu'on a fait aujourd'hui, tout se mange, tout est du caviar. Un bon couscous avec de la viande, comme celle que faisait ma mère. Comme ça, je vais me rappeler tous les souvenirs et tout. Comme ça, je vais redevenir un bon couscous. Oh, maman mia. T'as dit les trucs? Ouais, attends. Ok, c'est ça, normalement. Comment ça va, Noda? Ah, mal au pied. Up from here, no problem. It's almost happiness. C'est presque le bonheur. I wanted to be a Je voulais être soldat. And, I will be a Je serai bientôt légionnaire. A legionnaire. And my dream Mon rêve va se réaliser. Will come true. Après la marche képi blanc, je deviendrai légionnaire. Et j'aurai un nouveau seigneur, la France. Pour l'instant, je suis un guerrier sans maître. Lorsque j'aurai le képi blanc, je serai un samouraï de la France. 30e jour. Devenir un guerrier, c'est d'abord s'endurcir. Trois. Encore. Voilà. Quatre. Aux chevilles. À 40 ans, c'est plus difficile qu'à l'âge des autres. Doucement, il faut aider. Doucement. Nationnel, hey, descendez. Vas-y, recule, même pas là-bas, pas salé. Là, c'est les pires conditions climatiques pour faire ça. Ça sert à rien. Limite, c'est, je redoutais ça et vraiment, c'est. Moi, je joue pas de la merde. J'espère que ça va s'arrêter vite fait parce que. Prends pas les dents. En avant. L'exercice du jour, se présenter à un officier, leur chef de section, le lieutenant Caligaro. Engagé volontaire, Baris. Première section, engagé volontaire. Première compagnie d'engagé volontaire, section du lieutenant Caligaro. À vos ordres, mon lieutenant. Engagé volontaire, Girard, un mois de service. Première compagnie d'engagé volontaire, section du lieutenant Caligaro. À vos ordres, mon lieutenant. Mets-toi au repos. Je me mets au repos. À vos ordres, mon lieutenant. Donc, engagé volontaire, Girard. De quelle nationalité? Canadienne, mon lieutenant. C'est bon, c'est joli, Montréal. C'est très joli, Montréal. Quel âge as-tu? 40 ans, mon lieutenant. Très bien. Comment t'en es venu à penser à venir à la Légion étrangère? C'est une longue histoire, mon lieutenant. Lorsque j'ai fait mes classes en 84, à Aix-les-Milles, dans l'aviation, on nous a fait visiter le musée Aubagne. Et en rentrant de la visite, j'ai dit à mes supérieurs que je voulais faire la Légion. Ils m'ont dit, tu es fou, c'est un repère d'égorgeurs, de violeurs et de... Sorte de repris de justice. Tes impressions sur les égorgeurs? Pour l'instant, je suis en morceaux. Donc, tu as bien compris que tout ça, c'est des vieilles légendes. Tu dois ressentir un sentiment de plus grande fierté d'être légionnaire. Oui, mon lieutenant. Je ne suis pas encore légionnaire, mon lieutenant. Parce que la seule. Tu le deviendras, puisqu'on est là pour ça. Est-ce que tu as des questions? Je n'ai pas de questions, mon lieutenant. Est-ce que tu as un problème? Aucun problème, mon lieutenant. Donc si t'as pas de questions, pas de problème, tu peux disposer.
Je peux disposer à vos ordres, mon lieutenant. Aujourd'hui, premier cours de français. Ceci est un feutre. 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 Répétez. Feutre. Feutre. Alors attention, ne confondons pas, il y a deux mots. Il y a deux mots qui sont proches, c'est feutre et foutre. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est feutre. Foutre. Non, feu. Feu. Allume-moi le feu. Feu. Feutre. Foutre. Foutre. Non, foutre, c'est pas ça du tout. Voilà, feutre. Feutre. D'accord, je préfère. Tu vas. A. B. C. D. E. E. O. E. O. C'est bien, assis. Suivant. Non, non, pas le français. Et toi, oui, toi. On ne peut devenir légionnaire que si l'on est capable de comprendre instantanément les ordres. H. I. J. C'est bien. Les étrangers sont regroupés par équipe de trois autour d'un francophone qui doit leur apprendre la langue. À la fin, la note de français sera la même pour toute l'équipe. On doit s'entraîner, hein. Donc la solidarité, c'est un des principes de base de la Légion. Donc c'est de l'entraide, c'est normal. On touche pas ! On touche pas ! On touche pas ! Maintenant, vous avez exactement 30 secondes pour vous mouiller. Top, c'est parti. 30 secondes. Mouillez. Top. Touchez plus. Touchez plus. Savonnage. Touchez plus. Pas de temps. Pas de temps. Là-bas. Touchez pas là-bas. Des boutons. Ok, vu qu'il y en a qui ne comprennent pas et qui s'amusent, vous avez 10 secondes pour vous rincer. 10, 9, 8, 7. 6, 7, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, vous avez 10 secondes pour être séché et devant. 10, en avant, en avant, en avant, en avant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, dehors, 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 deh
Un peu plus de 3 semaines en équipe blanc. Tout va bien. Girard n'aura pas son képi blanc. Ok Girard, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je repars en civil. Retour au civil. Le service médical l'a déclaré inapte. Il y avait de l'espoir à travers ça. Il avait redémarré une vie, il y avait plein de choses. Girard ne s'appellera plus Girard. J'étais opéré du bas du dos dans le civil, et chose que je leur avais cachée. À partir du moment où j'ai franchi la porte ici, je savais toujours que du jour au lendemain, j'allais être viré à cause de ça. Donc ça a tenu, c'est passé complètement transparent, inaperçu. Quand je suis allé voir le lieutenant, j'ai dit « civil, maintenant », c'était pour m'épargner. Salut et bonne chance. Merci. Envoyé. 45e jour. Le départ de Girard, le manque de sommeil, les ampoules, le froid, le moral de la troupe n'est pas au plus haut. L'occasion pour le lieutenant de remettre les pendules à l'heure. Personne n'est venu vous chercher. Vous êtes tous venus pour les motifs qui ne tiennent qu'à vous. Parce que ça se durcit un peu, parce que la pente commence à devenir un tout petit peu plus raide, il y a les mecs qui veulent se barrer. Alors on se ressaisit, on reprend courage, on est bien d'accord? On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Ceux qui ont des petits bobos, là, eh ben, ils font la part des choses, ou c'est vraiment grave, et il n'y a pas de problème, ils consultent, ou alors ils ferment leur gueule, ils continuent. Repos. Pour la section. Vous. Vas-y, 1, pour le Sterling. 2, 3. La pression toujours. Les punitions collectives tombent. Cette fois, c'est Chong, un Chinois, qui en est la cause. Il s'est fait attraper en train de manger une barre de chocolat et le caporal il a pris tous les chocolats et maintenant il doit tous les manger. Et pendant ce temps, nous, on est en train de pomper. Chocolat est bon. Chocolat est bon. Silence. Voilà, reste dernière chiquette, c'est bon. Bon regard, vite. C'est bon. Silence. Écoutez-moi bien. C'est interdit manger chocolat en chambre, plus avec béret sur la tête. Le chef va le répéter. Si qui ne comprend pas, là, on va faire comme ça. Comme ça, ça va rentrer dedans. Dans votre tête. Tête de bourricot. Chong. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Les Chinois, expliquez-le. Est-ce que c'est clair? Sanctionner tout le groupe pour une faute commise par un seul, c'est une des méthodes Légion pour créer un esprit de corps, la cohésion. La cohésion, c'est qu'aucun ne sorte du rang. Si cela laisse des traces, la version officielle est « c'est cogné contre une porte ». On faisait de l'ordre serré et mon voisin faisait un peu n'importe quoi. Je lui ai mis un petit coup de coude dans le bras pour qu'il comprenne, pour soit de dire « regarde ». Et voilà, c'est tout. Donc, je me suis pris une porte dans la figure. Voilà. Le problème, c'est qu'on nous met tout le temps dans la tête, les francophones, occupez-vous des autres, ce qui est normal. Il faut transmettre les autres. Alors parfois, peut-être qu'on en fait un peu trop, peut-être que moi, j'en fais un peu trop, mais c'était pour le bon fonctionnement du groupe, hein. Pour éviter les punitions collectives, entre autres. Pas la peine ce soir, hein, et pas des temps. Alors, mangez des veaux. Prêt? C'est parti! Une nouvelle punition, repas debout et en 3 minutes. Allez, allez. Silence! Yo, casse-côte! Personne qui est dans la porte, les morceaux de pain! 3 minutes, stop! Posez, personne qui bouge! Restez en garde à vous! Allez, c'est... My life. Mon pays me manque, ma vie au Japon me manque. Parfois, c'est ma famille, mes amis, la cuisine japonaise aussi,
Pas les sushis, ni les sashimi. Mais ce qui me manque, c'est la cuisine de ma mère. My mother cook. Le soir apporte quelques instants de répit. Abrahim se laisse aller à la mélancolie. Je fais le bilan de la journée. Ça va, la journée ça va, et puis on pense un petit peu à la famille. Enfin, chaque soir, quand je tombe back out directement, les 10 dernières minutes, je les consacre à ma famille, je les remémore un petit peu. Peu de souvenirs. Comme ça, ça nous donne plus de force. Chaque nuit, il y a ceux qui vont dormir et celui qui assure la garde. C'est un moment un peu éprouvant parce que c'est un moment où on a envie d'aller se coucher. Mais c'est un moment qui est agréable dans le sens effectivement on peut faire le point, réfléchir. Prier un peu aussi pour moi qui suis catholique. Il y a beaucoup, beaucoup d'engagements en terre ici qui prennent le temps de faire une petite prière. Ça donne des forces, ça aide. Deux heures de ronde, puis c'est au tour d'un autre. Ouais, c'est un peu dur de dormir une heure et se réveiller. C'est un peu dur. Lorsque le silence lui laisse le loisir de penser, Abrahim gamberge. Pour ne pas avoir des doutes, il faut être cinglé. Parce que j'étais un bac plus 5, j'avais fini mes études en architecture. Basculer du jour au lendemain vers une vie militaire, se retrouver en bas de l'échelle, tout le bas de l'échelle, et recommencer tout, alors que j'ai déjà fait des efforts, que j'ai eu des acquis, c'est vraiment très très difficile. Et maintenant, je regrette rien, rien, rien. Le 50e jour. Jusque-là, ils ont manié le fusil au stand de tir. Ils doivent maintenant découvrir comment cela pourrait se passer en vrai. Hé, en avant, maintenant, il n'y a plus rien. Et Nouda, il est passé. Allez, en avant. Nouda. Ok, sors, Nouda, là-bas. Oui, sergent. Allez, Samy, tu sors, tu vas à gauche, en avant. En appui. Allez, on y va. Allez, go. Allez, fais-toi. Allez, passe-toi là-bas. Par dessus, là-bas. Toi, tu regardes là-bas, appui. S'il y en a un demi, là, boum, c'est bon. Appui. Voilà. The sides of risk. Le risque est bien moins important que l'honneur d'être un légionnaire. Honor to be a legionnaire. I wanted to be strong. Je voulais être fort. Je voulais être un soldat. Ce qu'on fait là, c'est le métier de soldat. J'aime ça, mais c'est difficile. En avant. Allez. En marchant, restez alignés. Ouvrez le feu sur toutes vos cibles qui se dévoilent. Avance. Il n'y a pas d'hésitation. On n'est pas entraîné à tuer. On est entraîné, dans un premier temps, à se défendre et à exécuter la mission. Balancez. Allez, en avant. En avant, on dépasse, on s'arrête pas. C'est bon, fouille maintenant, c'est les papiers. Maintenant, on n'est pas payé pour réfléchir sur les causes justes ou non. Maintenant, sur un ordre immoral, on peut réfléchir, se poser des questions et ne pas l'exécuter au besoin. Mais lorsqu'on nous envoie en conflit, en principe, c'est une cause juste. On n'a pas à réfléchir dessus. Vous allez prendre les douches et bim bam boum. Noda, tu es prêt à tuer quelqu'un? Yes. Oui. But I need. Mais j'ai besoin de plus d'entraînement. Exercise. Un jour sûrement sur le terrain, il y aura un ennemi en face de moi et je suis payé pour le faire.
C'est vrai, il y a du remords. Tu te dis que tu vas arrêter peut-être une vie en face. Il y a une famille qui est derrière. Mais vaut mieux que ce soit sa mère qui pleure que la mienne. 55e jour. La marche du képi blanc. Ils doivent parcourir 60 km en 48 heures avec tout leur barda. Ceux qui iront jusqu'au bout deviendront légionnaires. Serre les dents. Garde distance. Allez, forcez le pied. Tout doux, seulement tu penses. J'avance, j'avance, j'avance. T'as compris ? Oui, camarade. Oui, caporal. C'est normal, c'est la solidarité. Ah putain, pour un rital, là, il aurait gagné le pompon. Et toi, le pilote d'éléphant ? Dans la section du lieutenant Caligaro, il y a 56 hommes et 18 nationalités. Tout le monde trouve un champ. Les Russes, j'espère que vous serez un peu plus doux que d'habitude. La dernière fois, c'était particulièrement vilain. Les Japonais. Oui, mon lieutenant. Noda, t'es prêt ou quoi ? Oui, mon lieutenant. Boya yo iko da nenne shina monogatari. انا مريض انا مريض وحتى مرض ما بيا عيلي برنا ترينتا في دالام هاتيكو untuk pergi jauh tinggalkan dirimu برنا ترينتا dalam bayangku untuk selalu berada dekat di sisimu. À 10 km de la fin, un camion ramasse ceux qui craquent. Mais non, qui veut pas képi blanc ? Quatre hommes du groupe qui les précédait ont abandonné. Qui camion ? Personne ? Vous êtes sûr ? Oui, sergent ! Aucun des hommes de Schwartz ne s'est laissé tenter par le camion. Aucun n'a été tenté d'abandonner ceux qui souffraient. Ils sont allés au bout. Maintenant, ils savent qu'ils vont tous devenir légionnaires. Sur les rangs, un officier, trois sous-officiers, deux caporaux d'encadrement, 52 engagés volontaires. À vous en, mon capitaine. Ce képi est la marque d'une unité d'élite au passé prestigieux. Engagé volontaire de la section du sous-lieutenant Caligaro. Coiffez vos képis blancs. C'est Noda qui a été choisi pour prononcer le serment. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Légionnaires ! Nous avons servons la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Tu lui manifesteras toujours la solidarité. Bon. Le premier mois était vraiment rude, mais on est vraiment fiers. Vous êtes fiers d'avoir réussi tous les deux ? Oui. Oui, nous sommes comme frères, comme on a dit. Au bagne, quelques jours plus tard. Dans la crypte, les 35 773 noms des légionnaires morts au combat. Saluez. Là, maintenant, vous avez donné votre parole. C'est la dernière chose qui reste à un mec.
On enlève l'échiquier, on enlève les vêtements riches, on enlève la culture, on enlève la beauté. La seule truc qui a la vraie valeur, c'est la parole donnée. Bonne chance au régiment. Amuse-toi bien au régiment. Rigueur, premier. T'as plus le choix maintenant. T'es obligé de rester le meilleur toute ta carrière. Bien joué, Japonais. Oui, mon lieutenant. Continue à être comme tu es. C'est parfait, change rien. Oui, mon lieutenant. Et bouge ton gros cul au parcours du combattant. Oui, mon lieutenant. Fais attention à toi, Lando. Deuxième chenille, bivouac tactique. Allez, Charlie. Fais attention à toi, Gazo. Toi aussi. Charlie. Konnichiwa. Bonjour. A bientôt, bon courage. À bientôt, Noda. Simon a choisi la cavalerie. Noda va réaliser son rêve, le régiment parachutiste. Je suis trop motivé. Samouraï. Oui. Moi, c'était le plaisir d'avoir des ingénieurs comme toi, si tout le monde était comme toi. Voici à comment on est. C'est super. Allez, je te souhaite bon vent. Merci, Serge. Abrahim va rejoindre le régiment du génie. Ses compétences d'architecte sont déjà attendues. Dans 5 ans, beaucoup d'entre eux auront retrouvé leur nom et presque tous auront pris la nationalité française.